is with me tonight. Hallelujah. All right, so this song is my testimony. Amen. Can I share it with you tonight? All right, let's go. I am who I am because of you. If it had not been for you, tell me where would I be? I was lost and sinking deep in sin, but you reached out your hand and rescued me. No one else can do the things you do. There's no one else but you. Pour cette nouvelle édition, nous avons un titre. Séminaire de la semaine et Challenge Camer 2019. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici pour vous le journal télévisé Hebdo Afrique. Notre grand frère Auré a animé des séminaires à Séoul et à Daejeon. Voici pour vous quelques images. C'est qu'elle me trompe ou qu'elle m'a trompé, mais je ne veux pas rompre. Juste la femme m'avouer l'autre soir. J'ai essayé d'en parler. Elle m'a dit qu'elle ne savait pas de quoi je parlais. Il y a des choses. Cette semaine, les ouvriers de l'Éternel n'ont pas cessé d'œuvrer. C'est ainsi que nous avons eu des séminaires au Kenya. Maroc. Victory be. It make my joys full and complete. Precious name of Jesus. Jesus, oh how sweet the name. Jesus every day the same. Jesus let all saints proclaim his worthy praise forever. Congo Brazzaville. J'aime ce nom dans le chagrin. Il me soutient sur le chemin. Et Burkina Faso. Maintenant, nous allons parler du Challenge Camer 2019. En quoi consiste ce challenge? Ce challenge consiste à ce que vous fassiez une vidéo de vous et ensuite vous invitiez les membres de votre famille, vos proches et la jeunesse en général. Cette vidéo sera publiée sur nos pages Instagram et Facebook Africa Life Foundation. Les 5 premières personnes qui auront plus de vues et de partages seront primées à la Convention des jeunes par le département de la communication Afrique. Vous pouvez dès lors envoyer la vidéo au numéro 6 52 04 99 65. Je répète, 6 52 04 99 65. Maintenant, nous allons nous pencher sur l'invité du jour. Nous sommes sur le plateau avec l'invité de marque, le pasteur Emmanuel, pour un échange. Bonjour, pasteur Emmanuel, surtout sentez-vous à votre aise. Bonjour. Nous savons que vous revenez d'une mission au Tchad. Et pourquoi cette mission au Tchad? Oui, je reviens du Tchad. L'église du Tchad avait sollicité, après avoir suivi l'enseignement sur les groupes d'action, donc ils voulaient ma modeste contribution dans l'organisation de l'église. C'est pour cette raison que j'y suis allé, afin que de montrer la force de l'Église dans l'organisation du groupe d'action. Donc c'était le but principal. Et arrivé au Tchad, nous avons constaté que l'Église du Tchad était un peu grippée à cause de la non-maîtrise des textes organiques. Donc nous avons également apporté notre approche sur les textes organiques. Donc l'organisation de l'Église. Et en plus, il fallait apporter certains enseignements
de base qui pose certains éléments et puis essayer de retoucher la manière, la compréhension de l'œuvre par rapport au passé prédicateur. Donc c'était le but principal de cette mission au Tchad. Et je rends grâce à Dieu qui a permis que plusieurs pasteurs partent de cette zone lointaine où se retrouver du côté de N'Djamena, où nous travaillons d'arrache-pied, que je rends grâce à Dieu pour ce dévouement pour ces pasteurs. Et comment s'est donc passée la mission au Tchad? La mission au Tchad était très très difficile à cause de la chaleur qui était atroce, parce que la chaleur était à 52, 40, 48 degrés. Et même les Tchadiens ne parvenaient pas à dormir à l'intérieur. Et que c'était très, très difficile. Et le travail également était très dense. Mais je rends grâce à Dieu qui nous a soutenus. Pourquoi? Parce que j'ai d'abord fait la première semaine de la formation des pasteurs prédicateurs. Il fallait former le matin, donc du matin jusqu'au soir. Et dès la deuxième semaine, il fallait le tronc commun, c'est-à-dire qu'avec l'Église. Or, la plupart des membres de la Convention nationale travaillent. Ils n'avaient pas le temps en journée. Donc, il fallait qu'ils récupèrent ce qu'ils n'ont pas eu la première semaine. Heureusement que le pont Foucault, le pasteur Fou étant déjà là, pouvait commencer à donner des enseignements au tronc commun. Et puis, en matinée, on s'occupait, je m'occupais de certains pasteurs. Mais j'étais obligé de donner les enseignements à la coordination nationale d'autres pasteurs de 22h à 3h du matin. Donc, tout au long de la semaine, on pouvait enseigner le matin, on pouvait aller à l'église le soir et la nuit enseigner de 22h à 3h du matin. Ça, c'est la première expérience. Elle était fatigante, mais nous avons constaté que le besoin était nécessaire. C'était à ce niveau que nous avons essayé. Et nous avons constaté que la plupart des sauvés n'ont pas bien compris le phénomène casse des béquilles. Il fallait remettre l'autre approche sur la méthodologie de la casse des béquilles. Et plusieurs ayant constaté qu'ils ont fait trop d'erreurs sur le terrain, qu'en ce moment, sont en train d'aller essayer pour réparer. Parce que c'était une manière que nous étions étiquetés autrement par ceux qui ne sont pas sauvés. Donc la manière d'aborder ça également, cette mission que je n'ai pas pu terminer de manière normale parce qu'il y avait l'autre impératif qui me rappelait au Cameroun, que je compte aller terminer cette mission en fin juin, où je vais faire un mois tout le mois de juillet à N'Djamena. Et quel est l'état actuel de l'église au Tchad? L'état actuel de l'église, c'est que nous devons d'abord procéder à la réorganisation de l'église, remettre sur pied les textes organiques, revoir la structure générale de l'église à partir de la Convention nationale, ses démembrements. C'est ce qui reste que nous accompagnons l'église. Parce que l'église était greffée sur quelques individus malgré la coordination nationale. Or, ils fonctionnaient avec nos premiers textes. Or, aujourd'hui, et puis, peu de textes qu'ils avaient, ils n'ont pas compris comment étendre. On constate qu'ils souffrent à cause de ce qu'ils n'ont pas compris l'organisation. Et nous voulons les aider en ce qui concerne l'organisation propre de l'église. Comment voyez-vous ce pays dans les 3 prochaines années? Ok, ça, vous me posez la question que je parle en homme. Vous savez qu'Esaïe 55, verset 8 est d'actualité. Nous pouvons penser, avoir une pensée, mais Dieu pense autrement. Mais ce que je vois, c'est que cette église, dans 3 ans, au Tchad, il y a une bonne frange de jeunes et qui sont dévoués, surtout une jeunesse intellectuelle, et qui, dans leur pensée, rêvent faire de grandes choses pour Dieu. Deuxièmement, je vois une bonne fourchette de femmes qui ne savaient pas ce qu'elles devraient faire. Nous pensons qu'avec les outils que nous allons mener notre modeste contribution, et d'ici 3 ans, si nous évoluons dans ce sens-là, une bonne frange du Tchad pourrait déjà écouter l'Évangile. N'oublions pas que le Tchad également, c'est un pays, il y a une bonne frange des musulmans. Mais les frères, malgré cela, circulent sérieusement dans l'évangélisation. Et nous pensons que d'ici 3 ans, beaucoup de lignes pourront bouger.
Souvenons-nous qu'après le Cameroun, c'est le Tchad, le deuxième pays à écouter l'évangile. Donc eux-mêmes trouvent qu'il y a du retard et comprennent que c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas au courant, ils ne maîtrisaient pas un certain nombre de choses. Et puis le Tchad, c'est l'un des pays qui n'a pas eu assez de missionnaires. Et nous pensons qu'avec la régularité des missionnaires, plusieurs pourront comprendre et l'Église va plus s'étendre. Ok, merci. C'était le pasteur Emmanuel Béguélé et Chantal Ngolo pour vous servir. Sur notre page Instagram Africa Life World Mission, Facebook Africa Life World Mission et YouTube Adassa Production. À la supervision générale, nous avons le pasteur Denis Boba. À la réalisation, nous avons Esther Assiné. À la caméra, nous avons Mambo Steve Socrate et à la présentation, Gabriella Boba. Votre fidélité nous honore et à lundi prochain.